le lac du Drennec était la star du week-end à Comana. Il a même désormais un festival à son nom. À l'origine de l'idée, une bande de copains. Ils ont grandi autour de ce lac et ils ont envie de le faire découvrir. On avait au moins depuis 6 ans dans la tête de faire quelque chose au lac du Drennec parce que c'est un lieu qu'on avait dans notre cœur avec les cours de voile qu'on a pu prendre ici, puis les week-ends à la plage au bord du lac. Et avec une vraie scénographie. Donc à un moment, on s'est dit que ça tombait sous le sens. Au programme de cette toute première édition du festival Le Lac, des concerts en plein air, et à côté, un auditorium original, le Sonophore. À l'intérieur, un groupe de musique qui vient du Canada mélange les sons traditionnels de leur pays avec ceux d'ici. Les musiciens ont mis à contribution les élèves de l'école de Saint-Rivoil. On a enregistré des bruits et chanté des chansons en breton. T'as enregistré quoi comme bruit ? Des bruits d'oiseaux, des bruits de pas, enfin plein de bruits dehors. À la sortie du Sonophore, ce samedi matin, les mamans sont conquises. Ce qui est impressionnant, c'est de voir les sons qui sortent avec des petits objets, des marrons, une lampe, on joue avec les ressorts. Et ça nous transporte vraiment, c'est impressionnant. Tout au long de la journée, des groupes de musique déambulent dans le festival et autour du lac du Drennec. Et comme tout le week-end, c'est le lac qui est à l'honneur, la base nautique propose des activités gratuites. Ce samedi matin, c'est une course de kayak. Le festival nous avait parlé de venir organiser 3 jours d'activités ici. Et donc on a profité de l'occasion pour leur proposer une activité nautique et donc mettre à disposition des festivaliers donc des kayaks et des stand-up paddles pendant le festival en fait. Le lac du Drennec était à l'honneur au cœur des Monts d'Arrée de ce vendredi à ce dimanche.